C'est Dieu qui sait le tout. Quand tu fais le bien, il sait le tout. Quand tu fais le mal, il sait le tout. Envieux marabout du nom d'Igata. Il est dans la forêt, forêt Makasutu. Forêt Makasutu, forêt sacrée. Forêt Makasutu, forêt des Ninginanga. Forêt Makasutu, forêt des Jinan. Les enfants viennent à Buzumbalang pour faire les cérémonies à Makasutu. Les enfants n'ont plus retourné. C'est Dieu qui sait le tout. Quand tu fais le bien, il sait le tout. Quand tu fais le mal, c'est Dieu qui sait le tout. Le tout puissant, qui sait le tout. Un vieux marabout du nom de Djata vit dans Makasutu, la forêt sacrée. La couleur rouge le protège contre les esprits du diable. Il a raconté qu'un siècle avant, 30 jeunes garçons de Busumbala sont venus ici à Makasutu pour des cérémonies de circoncision. Et aucun d'entre des garçons ne s'est retourné à Busumbala. Ils ont tous disparu. La plupart des gardiens du lieu ont vu quelque chose d'étrange dans la forêt. Un gros serpent qui est trop gros pour être un serpent. He ran up to us, telling us that I see a big thing, I see a big thing. When I heard him saying that I see a big snake, me, I didn't even go wake up because I know what he has seen. Cette Ninginanga n'est pas généreuse. Même si vous prenez quelques banards hors de la forêt, vous ne pouvez la manger. Les gens disent avoir entendu une voix dans l'ordre de les retourner sous peine d'une sanction ou d'un meurtre. Je suis allé voir un imam pour des consultations. Dans la consultation, il m'a dit les raisons de mon mécontentement. Il a fait un rêve dans lequel je me trouvais entouré par des esprits maléfiques. De ce fait, je dois chercher 9 bougies blanches, 9 mètres de tissu blanc et 9 noix de cola. Je dois le donner à une pauvre nettoyeuse le lendemain matin. J'ai du mal avec mes affaires aussi. Pour cela, je dois acheter un poulet et le donner à une femme non mariée. Après un certain temps, le poulet est mort. Les villageois m'ont dit que c'était une grande bénédiction, car l'esprit du diable a bataillé avec l'esprit du poulet, qui a sacrifié son âme et sa vie. Le diable a quitté mon environnement. Ainsi, mon entreprise a commencé à fleurir à nouveau. La nettoyeuse s'est résignée car elle a trouvé un mari riche. Le sorcier a vu le Ninginanga ici à Busumbala. L'esprit du baobab l'a consulté à travers la bouteille sacrée. Il dit que je dois être prudent avec un homme au Sénégambia. L'homme est sympathique et tout droit. Toutefois, il n'est pas un être humain, il est un reptile.
La lune est creuse. Les reptiles y vivent dans la lune. Je vous le fais savoir si vous ne le savez pas. Un marabout nommé Dragon vit à proximité. Les villageois le demandent des conseils, comme il sait tout de par sa sagesse. Dragon va au bord d'une rivière, d'où il reçoit les conseils du messager de Dieu. Il voit des messages avec un œil spirituel. Le messager a une face d'un être humain et un corps de dragon. Le marabout nommé Dragon vit dans un sous-sol, comme son messager vit sous terre, car il ne supporte pas la lumière du soleil. Là, il y a des citations coraniques et d'autres signes sur le mur, ainsi que la photo du cheikh Amadou Bamba Mbake et celle du président Yamé. Le joueur de kora, Alagui Soussou, chante durant deux bonnes heures. C'est une histoire d'un garçon nommé Kara qui avait reçu des conseils et des pouvoirs spéciaux et des puissances surnaturelles de la part d'un dragon. Laila,